cœur. La prédication doit affecter la bouche. La prédication doit apporter la conviction dans le cœur. Et la prédication doit apporter la confession de la bouche. Quand ils ont entendu ce discours, ils ont le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Ce qu'ils ont entendu les a apporté la conviction que Pierre et les autres apôtres savaient ce qu'ils devaient faire pour se débarrasser de la culpabilité, ce qu'ils devaient faire pour se débarrasser de la condamnation. Alors Pierre leur dit, repentez-vous, Christ est venu appeler non pas les justes, mais les injustes à la repentance. Il est venu appeler les pécheurs à la repentance. Et il s'est souvenu de cela. Il leur a dit cela. Allez par tout le monde, prêchez la repentance en toutes les nations, commençant par Jérusalem. Ainsi Pierre s'est souvenu de cela. Tout ce qu'il leur disait, c'est ce que Jésus-Christ avait dit. Vous savez, des gens, ils nous disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, et maintenant ils nous disent des choses qu'on ne trouve même pas dans la Bible. Mais vous savez, Jésus-Christ a dit, quand le Saint-Esprit sera venu, il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. C'est exactement ce que le Seigneur, le Saint-Esprit a fait ici. Il a rappelé à Pierre que Jésus-Christ avait dit qu'ils se repentiront. Alors il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortant, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Cette génération perverse corrompue, cette génération à la renverse. Sauvez-vous. Ceux qui acceptaient sa parole, ils ont reçu la parole pour se repentir. Ils ont reçu la parole pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Ils ont reçu la parole pour se détourner de toutes leurs traditions et pour venir à la vérité telle qu'elle est en Christ. Il dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Et ce n'étaient pas des gens qui ont cru pour le moment. Ils ont persévéré avec le Seigneur. Ils ont demeuré, sont persévérés les apôtres. Ils ont continué à apprendre. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Ils ont persévéré, nos convertis vont persévérer. Ceux qui entendent la parole de Dieu vont persévérer. S'ils ne persévèrent pas, ils ne sont pas disciples. Parce que Jésus-Christ a dit, si vous persévérez dans ma parole, vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez cela. La prédication affecte le cœur, et la prédication apporte la confession de la bouche. Ils confessent de leur bouche la Seigneurie de Christ, et ensuite ils croient dans leur cœur qu'il a été ressuscité des morts et ils seront sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La piété doit suivre. La justice doit suivre. Une nouvelle vie doit suivre. On dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il a été dit. Actes chapitre 15. Verset 3, Actes, chapitre 15. Verset 3. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens. La conversion, ils étaient sortis prêcher et maintenant ils sont revenus. Et ils ont ramené les rapports de la conversion. Le rapport de la conversion. Ce n'est pas seulement, j'ai frappé à beaucoup de portes aujourd'hui et j'ai prêché l'évangile, même s'ils n'ont pas accepté, mais j'ai fait ce qu'ils devaient faire. Non, ton objectif, ce n'est pas de frapper aux portes. Ton objectif, c'est prêcher l'évangile pour que cela pénètre leur cœur
et qu'ils se repentent de leurs péchés et qu'ils invoquent le Seigneur. Et maintenant que la conversion des païens est une grande joie, et ils causaient une grande joie à tous les frères, je prie que la prédication de l'Évangile porte du fruit. Et quel type de fruit? Actes des Apôtres 19, verset 18. Actes 19, verset 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Comme ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont cru et ont dit, et ils ont confessé, et ils sont venus montrer leurs œuvres. Verset 19. Et un certain nombre, voici l'effet de l'écoute de la parole, voici l'effet de se céder à l'Évangile, voici l'effet de confesser leurs péchés, de croire au Seigneur Jésus-Christ et de se détourner de leur passé, se détourner des ténèbres et de se tourner vers la lumière. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, avec les activités occultes, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. Ça, c'est l'évidence que l'Évangile a réellement effet dans leur vie. L'Évangile avait réellement la pénétration dans leur cœur. Et on dit, ils les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je prie que le même résultat nous accompagne dans nos prédications, proclamations, pénétrations de l'Évangile au nom de Jésus. Actes chapitre 6, verset 7. Actes chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Une grande foule de sacrificateurs, les prédicateurs, les pasteurs, les ouvriers, dans d'autres assemblées, où ils n'étaient pas nés de nouveau, la parole leur est parvenue. Comme la parole leur parvenait, ils se sont repentis, ils ont cru et ils obéissaient à la foi. Je prie que Dieu fasse la même chose dans chacune de nos ministères, dans chacun de nos ministères. Jean 8, verset 10. Jean 8, verset 10. Quand Jésus-Christ Alors s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Ça, c'est la grâce. « Je ne te condamne pas non plus. » Ça, il n'y a plus de condamnation. C'est le pardon, c'est la rédemption, c'est le salut qui est présenté à cette femme. Va et ne pêche plus. Le passé est passé. Les ténèbres sont ôtées. La lumière est venue. La nouvelle vie maintenant est venue. Va et ne pêche plus. Alors, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous l'aurons. Et ceux qui nous entendent l'auront au nom de Jésus. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite, au chapitre 2, lisons pas du verset 11. On dit, car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Quand nous prêchons, nous prêchons sur la culpabilité de l'homme, mais nous prêchons également sur ce que Christ a fait au calvaire. Et nous présentons la grâce de Dieu aux gens. Et cette grâce de Dieu apporte le salut, la rédemption. Et comme ils se détournent de leurs péchés, ils croient au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant dit, elle nous enseigne, verset 12, à renoncer à l'impiété
et convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la juste, la sagesse, la justice et la piété. Cela doit être l'effet de l'évangile qui leur parvient. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous proclamons l'évangile. Il a l'effet et agit dans la vie de ceux qui nous entendent, pour qu'ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Ils ont des vies changées. Ils ont des comportements changés. Il y a la piété dans leur vie parce que la grâce transforme leur vie. Et on dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. S'ils sont réellement convertis, les choses anciennes sont passées. S'ils sont réellement venus à Christ, et Christ vient en eux, les choses anciennes sont passées. Les traditions sont passées. L'idolâtrie est passée. L'idolâtrie est passée. Les rituels sont passés. Et la mauvaise vie qu'il menait avant, toute cette mauvaise vie est passée. On dit, si quelqu'un, quiconque, est en Christ réellement, on dit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme les choses sont devenues nouvelles dans leur vie, alors ils se joignent à ceux qui proclament l'évangile, qui prêchent l'évangile. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si vous êtes sauvés, si vous êtes nés de nouveau, alors il vous donne le ministère de la réconciliation, pour parler aux gens. Et vous le faites dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur leur vie, le Saint-Esprit vous pousse, vous motive avec passion à déclarer la parole de Dieu parce que vous savez, jusqu'à ce qu'il vous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole, la réconciliation. Il nous a confié le message de la réconciliation. Il a confié le message de la réconciliation entre nos mains. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Tu es, je le suis, et je suis un ambassadeur de Christ. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortez par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui et que Dieu te donne la compréhension, que Dieu te donne la fidélité, puisse Dieu te donner l'obéissance. On nous dit en 2 Timothée, chapitre 2 Timothée 2 verset 7. Comprends ce que je dis, ce que nous avons entendu aujourd'hui. Comprends ce que je dis. La venue du Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour nous amener à être des témoins de Christ. Comprends ce que je dis. Le baptême du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit, être saturé du Saint-Esprit, c'est pour que nous puissions proclamer, prêcher l'évangile, pour que nous puissions aller partout et que nous puissions annoncer l'évangile à tout le monde. Et nous l'avons entendu aujourd'hui. Nous ne devons pas seulement entendre et laisser ça. Comprends ce que je dis. Car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Et comme nous entendons, nous obéirons. Comme nous entendons, nous allons croire. Comme nous entendons, nous appliquons. Et comme nous entendons, nous le ferons. Comme nous entendons, nous pratiquons. Et Dieu bénira l'œuvre de nos mains au nom de Jésus. Jacques chapitre 1. En Jacques chapitre 1, verset 22. Mais mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Rappelez-vous,
ce que nous avons dit dans l'un des messages, l'habileté plus la capacité qu'on a la productivité. Nous ne produirons rien, nous n'aurons pas de convertis si nous n'avons seulement l'habileté. Le Saint-Esprit vient, il vient, et je suis sauvé, je suis sanctifié. Nous sommes baptisés du Saint-Esprit. L'habileté est là, la puissance est là, l'habileté est là, et la connaissance est même là, et l'activité, et sortir pour le faire. L'habileté plus l'activité égale à la productivité, et vous serez productif, vous serez profitable, et beaucoup viendront au Seigneur à travers vous au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Je serai un pratiquant de la parole. Est-ce qu'il y a un pratiquant de la parole là-bas? Tu pratiqueras la parole. Tu pratiqueras la parole. Voilà pourquoi Christ nous a parlé. Parce que si nous l'entendons et que nous ne sommes pas pratiquants de la parole, les bénédictions ne viendront pas pour ceux qui entendent seulement et ceux qui ne mettent pas en pratique. Mais je mettrai en pratique. J'obéirai. Je vais obéir à la parole de Dieu et les bénédictions de l'obéissance à la parole te seront aussi données au nom de Jésus. Quelqu'un me donne un grand amen. En Luc chapitre 6, 46. Luc chapitre 6, 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis. Nous venons, nous entendons. Ensuite, est-ce que nous pratiquons? Est-ce que nous obéissons? Est-ce que nous accomplissons? Est-ce que nous sommes fidèles à notre obéissance au Seigneur? Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il veut que nous le fassions. Il veut que nous frappons aux portes. Il veut que nous ouvrons la Bible aux gens. Il veut que nous prêchions la parole du salut aux gens. Il veut que nous pénétrons leur cœur et que leur vie soit transformée par l'Évangile. Il dit pourquoi? Continuez à m'appeler Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai. Je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Ta maison spirituelle sera bâtie sur le roc. Elle sera bâtie sur le roc. Mais ceux qui entendent et qui ne mettent pas en pratique, regardez ceux qui entendent et qui ne croient pas, regardez ceux qui entendent et qui n'accomplissent pas. Verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et là, je prie que ta maison ne tombe pas. Ta maison spirituelle ne tombera pas. Et ceux qui entendent et qui ne pratiquent pas, aussitôt elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Le Seigneur veut que nous soyons pratiquants de la parole. Il veut que nous soyons des gens qui entendent et des gens qui disent oui, je sais. Ça, cette parole m'a été donnée. Je suis sauvé, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit. Et l'objectif de cet esprit, c'est d'aller et d'atteindre les autres afin qu'ils entendent l'Évangile, qu'ils croient et qu'ils soient sauvés. Et ensuite, eux et nous irons ensemble au ciel au nom de Jésus. Est-ce que tu seras un pratiquant de la parole? Je serai un pratiquant de la parole. J'ai dit, je serai un pratiquant de la parole. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Christ, à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, prêchant la bonne nouvelle. C'est ton tour maintenant. Où es-tu? Je dis, c'est ton tour maintenant. Lève-toi et dis au Seigneur,
Seigneur, donne-moi plus de grâce, plus d'habileté, plus de compréhension. Donne-moi plus de capacité. Donne-moi, mets le feu en moi, la passion en moi. J'irai et je ferai ce que tu m'appelles à faire. Tu entends toujours et je ne mets pas en pratique. Tu apprends toujours et ne parvenant jamais à la connaissance de la vérité. Tu apprends toujours et ils ne se lèvent pas pour le faire. Ils apprennent toujours et ils n'obéissent pas au Seigneur. Le Seigneur veut que nous soyons des gens qui vont entendre et croire. Des gens qui vont entendre et accepter. Des gens qui vont entendre et appliquer. Des gens qui vont entendre et obéir. Qui vont entendre et faire. Et ce sont ceux-là qui auront les bénédictions du Seigneur. Pour ta bouche, j'ai prié. Dis, Seigneur, me voici. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu es sauvé? Gloire à Dieu. Est-ce que tu es sanctifié? Si tu es sanctifié, gloire à Dieu. Après être sauvé, sanctifié, est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils s'en allaient prêcher la parole, la perception de l'Évangile. Est-ce que tu comprends l'Évangile? Est-ce que tu connais l'Évangile? Est-ce que tu as reçu l'Évangile? Est-ce que tu enseignes l'Évangile? Est-ce que tu prêches l'Évangile? Prêche-le, publie-le, proclame-le, déclare-le, pour que les gens sachent que c'est l'Évangile. Voici l'effet de l'Évangile. Proclame-le fidèlement, proclame-le fréquemment, prêche-le, proclame-le avec ferveur, avec passion, proclame-le avec toute l'énergie que tu as en toi. N'aie pas peur de quoi que ce soit. Et ne fais pour moi aucun cas de ma vie. Parle au Seigneur. Plus de grâce, plus de force, plus de patience. Je vais t'obéir le matin, dans l'après-midi, dans la soirée, partout, je me retrouverai. Seigneur, je vais le faire. Seigneur, je le ferai. Et cela portera du fruit dans les cœurs, dans les vies de ceux à qui tu prêches. Ils se détourneront de leurs péchés, ils viendront au Seigneur. Ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Les anciennes traditions passeront. Les mauvaises habitudes passeront. Les comportements pécheurs du passé passeront. Ils deviennent de nouvelles créatures en Christ. Et ils deviennent aussi des disciples pour obéir à la parole de Dieu.